Hey everybody and welcome to Drawing with Paolo. Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une autre version de Iron Man. Today we're going to draw another version of Iron Man. This is a version of comic book 517 or Invincible Iron Man 517. Donc c'est à peu près dans les régions de 517 Iron Man, 517 Invincible Iron Man 517. Alors on a ici la main droite. Et puis, nous dessinons les doigts comme ceci. Here is the right hand, and we'll draw the top of the hand here, so the knuckles. And then we'll add his thumb here at the bottom. Nous allons ajouter son pouce ici en bas. Voilà. Son avant-bras que l'on voit passer derrière. His forearm that we can see behind. So just another circle. And as you draw a human body, in a lot of cases, they're all basic shapes. Everything is a basic shape, so like the thigh here is just a cylinder, essentially. A shaped out cylinder, but a cylinder nonetheless. Alors, lorsque vous dessinez un corps humain, le corps humain est composé de formes de base, tout simplement. Et puis, donc, comme les ailes ici à l'arrière d'Iron Man, ce ne sont que des petits rectangles courbés. Et puis, tout est composé de formes de base. Comme la tête ici, c'est tout simplement qu'un ovale. Et puis, nous allons continuer maintenant, au niveau du détail, à mettre son masque en bas ici. So we're going to create the lines to his mask, and Iron Man will be looking practically straight down. Donc dans ce dessin, Iron Man regardera directement en bas. Alors on va voir là, une vue trois quarts de son visage. So because he's going to be looking straight down, we'll get a three-quarter view of his face. Voici un œil ici, here's one eye, here's another eye, voici un autre œil. Et puis, nous allons dessiner les détails de son masque, qui est un petit peu différent, ce costume, des autres costumes qu'on aurait vus, par exemple, dans les films ou dans les bandes dessinées. C'est un costume des plus récents. C'est un costume qui est un costume stealth. Alors, un costume qui permet de devenir invisible. Et puis, on ne peut plus le voir lorsqu'il bouge. Il est entièrement transparent. So, this costume, or this suit, is a brand new version. It's not one that you would have seen at the movies, it's one that is in the most recent comic books, and it's a stealth costume, or a stealth suit, and he can become totally transparent. Nous allons maintenant dessiner des petits rectangles blancs ici sur le dessus de son casque. Et lorsque j'ai vu ce costume pour la première fois, j'ai tout de suite cru que c'était un genre de mélange entre Tron et Iron Man, et j'adore vraiment le look de ce personnage, et c'est pour ça que je me donne l'opportunité de le dessiner pour vous aujourd'hui. When I saw this costume or this Iron Man suit for the first time, I really thought it was a cross between Tron and Iron Man, and I really, really think it's a successful take on Iron Man, so that's why I really felt like drawing it today. Ajoutons sa main ici, la main gauche qui est à l'arrière très loin, donc plus petite que celle qui est à droite, bien sûr, parce qu'on veut avoir cet effet de perspective. So this hand back here will be a little bit smaller than the one on the right. And that's because of perspective. That left hand is farther away, so it needs to be smaller than the right hand that's on the right side, which is bigger. Now, voici. Maintenant, nous allons colorier le contour de sa tête tout en noir. Alors, j'accélère le processus. So, we're going to color his head here totally black. And so, I'm going to accelerate the process and speed things up. But I'm going to redraw the line here for his head just to make that a little bit more parallel. All right, so let's color this portion in, and we'll speed things up. Nous allons colorier cette section-là et accélérer donc la vidéo. N'hésitez pas à la maison, bien sûr, de peser sur appui sur pause et puis me rattraper. Lorsque vous aurez rattrapé le coloriage, bien, vous allez pouvoir ensuite réappuyer sur play. So if you think that you know I'm drawing too quickly, don't be afraid to hit the pause button there, and then to catch up to me. Once you've caught up, then you'll be able to just hit play again and continue drawing with me at the same time. Alright, so let's add the thickness to his helmet. Donc voici l'épaisseur de son casque. Et puis nous allons retracer la ligne de contour un peu ici. Let's retrace the outline here. Make that a little bit better. And color that in. There you go. Add a little bit of thickness to the lines. Un petit peu d'épaisseur ici aux lignes. Ligne de contour. Finir un petit peu maintenant un petit peu plus propre. Ce dessin. Il y a une épaisseur noire autour des yeux. There's a black thickness around the eyes. And then I'm going to just trace out this curved line here and make that a bit more solid.
Je vais juste retracer cette ligne ici pour la rendre un petit peu plus solide. Alors, prochaine étape, nous allons dessiner les lignes qui viennent de ses yeux vers ses joues, un peu comme un guépard. These lines here at the bottom of his eyes, sort of like a cheetah's eyes. I'm going to retrace that mouth. Donc, nous allons retracer la bouche. Je n'aimais pas de quoi ça avait l'air, alors. C'est ce qui vient du dessin, hein? On efface ce qu'on n'aime pas, on rebâtit tout simplement. C'est pourquoi c'est super important de ne pas appuyer trop sur le crayon lorsque nous créons les premières lignes. Ça nous permet d'effacer sans faire de gaffe. So, you know, that's what's really cool about drawings, that you can erase content and then just rebuild on top of it. But that's why it's important not to press too hard on your pencil, so that you don't create these very dark lines when you erase later on. Donc, ajoutons des détails au niveau de son costume. Ce sont des lignes blanches, illuminées. Alors, c'est pourquoi son costume sera noir complètement. Et puis, ces lignes blanches que nous dessinons représenteront l'illumination de son costume. So, we're going to draw the white lines here on his costume, on his suit of armor. And, of course, he's got his power port up here at the front. And I'm just going to draw these curved lines. And then, these curved lines go into vertical lines from it. So it's sort of like its power source still functions today. And these are very bright white, so his costume or his suit will be totally black and these lines will be white. So, donc, juste comme un petit design, des lignes verticales peu courbées qui proviennent du centre, de la source de puissance de cette armure, de la poitrine. Et puis, comme ça, on dessine des lignes un peu comme des pattes d'araignée qui viennent du milieu. So these lines coming from the center sort of look like spider legs. And let's rework these wings, because those were just basic shapes, but we're going to retrace them to be the proper shape of the wing. Donc, nous allons retracer les ailes ici et donner la vraie forme de l'aile, puisque, bon, au début, on n'a que mis une petite fondation, là, mais voici à quoi ressemble réellement la forme de ces ailes. Nous effaçons les lignes que nous n'avons plus besoin, et puis, on retrace. So you erase the lines you don't need, and we retrace the lines we like, such as a little winglet here that's opened up. Donc une petite aile ouverte ici, une courbe comme ça, et puis c'est très mince, et ça revient en épaisseur juste ici. And then so it's, it becomes really thin and thickens up again. So that's the sort of shape we want to get. Then of course there's a curved hole here, a curved hole with a circle inside that. Donc, il y a aussi un trou ici avec un cercle à l'intérieur. Et c'est ce que ça donne, plus ou moins. Voilà. Alors, voici la première aile de Iron Man. Iron Man Stealth. Ben, j'imagine que c'est son nom. J'ai jamais vraiment vu le nom de cette armure, là, mais c'est ce que je lui donne comme nom aujourd'hui. So, this is the other wing. The Stealth Armor Iron Man. I'm guessing that's his name, Stealth Iron Man. I've never really seen a name for this. If you guys out there know, you can always leave me the answer on my Facebook page. Donc, si à la maison vous connaissez le nom de cette armure, vous pouvez toujours me laisser la réponse sur ma page Facebook. Voilà la deuxième aile. Maintenant, concentrons-nous sur les doigts et le poing. So we're going to concentrate ourselves now on the hand here, this fist. And so just retrace the outlines, making those a lot darker and adding detail. And we're going to color this in total black. And so even these little details that I'm drawing in now, I'm doing them, but I don't think we're going to see them very much once it's all colored. Alors, tous les petits détails que nous ajoutons ici au niveau de l'avant-bras sont importants. Sont importants. Et puis ça ajoute plus de réalisme à l'illustration. Voilà, l'avant-bras est coupé en deux et la partie inférieure est très foncée. Puis nous allons ajouter une petite ligne d'épaisseur. So, these portions here are very dark and therefore we're going to need to leave a little white line between each one of the items so that we can see the cutout of each shape. If we were to color everything black, then it'd be impossible to see the difference between each finger and therefore we're going to leave a little bit of a white line around them. Alors, ce que nous faisons, c'est laisser une petite ligne blanche au niveau des doigts. Dans le contour, pour qu'on puisse voir la délimitation entre chaque doigt. Si on était pour colorier le tout en noir, ben, ce serait impossible de voir la délimitation des doigts. On ne pourrait que prétendre que c'est un point. Et c'est pour ça que je laisse des petites lignes blanches là, entre chaque doigt, comme ceci. So, leaving just a little white line between each finger. All right, let's retrace the forearm. Nous allons retracer l'avant-bras, comme ceci.
Et les détails de cette armure supérieure de l'avant-bras. And the details of the top part of the forearm. Excellent. Erase the lines you don't need and retrace them. Donc on efface les lignes qu'on n'a plus besoin et qu'on les retrace. Voilà, there you go. Alright, so later on we're going to add some shading to that forearm, just a little bit. Un petit peu plus tard, nous allons ajouter un petit peu d'ombre à cet avant-bras. Mais voilà, je pense que le bras de droit est pas mal complété. Il manque l'épaule ici derrière, so we need to add that shoulder piece back here. And of course, there's always these rectangular parts at the top of Iron Man's armor, where his traps are, trapezius muscles. So we're going to add this, I need to erase this line here. Donc nous allons effacer la petite épaule qu'on avait dessinée pour mettre ce petit rectangle qui est toujours, pratiquement toujours en tout cas, au niveau des muscles du trapèze de l'armure de Iron Man. Et puis voici l'autre avant-bras, l'avant-bras de gauche. Nous avons dessiné aussi la partie d'armure, j'imagine, comme ceci. Et nous avons effaçons les lignes que nous n'avons plus besoin. And you just erase those lines that we don't need, and then add the same sort of details, a circle around that circle, and color that in black. Alors, un cercle autour du cercle en noir. On se base sur le côté droit ici pour ajouter des détails qui sont plutôt similaires. So we'll use the right side of the arm here to retrace the lines on the left arm. So we're going to try to reproduce the same kind of lines. There we go. And we're going to color in the fingers. Nous allons remplir donc les doigts. Mais nous allons laisser une petite ligne blanche ici là, sur le majeur. So let's leave a little white line here on the middle finger. And that same circular shape on the thumb. And then I guess we're going to add a bit more detail around the circle. Nous allons ajouter un petit peu plus de détails au niveau du cercle. Et puis nous devrons ensuite colorier le corps en entier. So we're going to color the whole body now. So this may take a bit of time, but let's just enjoy the process. And make sure that some of these lines all attach to one another. Nous voulons faire en sorte que les lignes blanches se touchent toutes. Et bien sûr, pour protéger notre illustration, nous allons utiliser la protection d'une feuille de papier pour ne pas barbouiller notre dessin avec notre paume. So I'm going to use the paper technique here to protect my drawing from my hand, and so that I don't smudge my drawing at all. That's a little technique that I've been using for a while. So if you've been following me here on YouTube, you'll notice that I've used this technique before. C'est une technique que j'utilise beaucoup si vous me suivez depuis quelque temps sur YouTube. Vous avez sûrement remarqué que j'utilise cette technique de papier très souvent. Alors voilà, on enlève les petits bouts de gomme à effacer. So I'm removing just a little bit of the eraser parts there. And then coloring in the body. We want to make the whole of the armor black except for the little white lines that we left earlier. So we're going to color that in. While I'm coloring this in, let's talk about how you can reach me and how you can share your drawings with me. I have a Facebook page called Drawing with Paolo Facebook page, and that's the only area now, more or less, that I try to answer because I have many fans right now. I have somewhere around 25,000 individuals. Thank you very much, by the way, that are following me on YouTube. But it's just too complicated to answer everyone on multiple pages, either YouTube, Twitter, Facebook, and Google Plus. So I really like to concentrate on Facebook mostly, because we can share each other's pictures on that Facebook page. So you can go to Facebook, if you have a Facebook account, and search for Drawing with Paolo, and you can send your pictures to me through a personal message, and then I post them online so that we can share our artwork together with other individuals that love drawing. Ce que je mentionnais en anglais, c'est tout simplement que pendant que je colore tout ça en noir, je mentionne que j'aime consolider maintenant la communication avec vous, mes fans, avec ma page Facebook, Drawing with Paolo. Puis la raison pour ceci, c'est très simple. J'ai maintenant 25 000 personnes qui sont abonnées à ma page YouTube. J'ai plusieurs lectures de mes vidéos. Et puis, c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde sur multiples pages web, que ce soit Twitter, Google+, YouTube et Facebook et tout le reste. Donc, je préfère me concentrer sur Facebook. Et l'avantage de Facebook, bien sûr, c'est le fait qu'on puisse partager vos dessins avec tous les autres fans de dessiner avec Paolo. Alors, c'est sûr que ça serait bien que vous puissiez me joindre là. Et puis, si vous avez un intérêt à présenter vos dessins, bien, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Facebook
dans cette page Drawing with Paolo, et puis je vais définitivement partager vos dessins avec tous les autres qui nous suivent présentement. Donc, alors, en tant qu'artiste, c'est bien de pouvoir montrer nos œuvres, et par le biais de la page Facebook de Drawing with Paolo, je suis capable de faire ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me suivent là, mais loin du même nombre que j'ai sur YouTube présentement. Alors, YouTube, j'ai 25 000, présentement, au tournage de ce film, j'ai 25 000 individus qui me suivent sur YouTube d'une façon régulière, et vous en êtes un, puisque vous regardez. Mais j'ai aussi ma page Facebook, où j'ai maintenant à peu près 1500 personnes qui me suivent là. Donc, une vaste majorité des gens qui ne sont pas sur Facebook pour le moment. So I have 25,000 individuals following me on YouTube at the filming of this video, and I only have about 1,500 on my Facebook page. So hey, come on down, come and join us on Facebook. We're having a little bit of a party, sharing pictures and our drawings and our passion for art on my Facebook page. So come on by, we're waiting for you. Alors, venez vous visiter sur la page Facebook. Et nous avons une passion pour les arts, le dessin. Et puis, ça me ferait un plaisir de vous accueillir là. Et j'essaie bien sûr de répondre à vos courriels le plus possible, donc par le biais de Facebook. J'y vais peut-être 2-3 fois par semaine pour essayer de répondre et partager vos dessins. So on my Facebook page, I try to get there 2-3 times a week to answer your emails and also to share your drawings with everyone else. All right. Retraçons maintenant les détails au niveau de sa jambe. Donc, c'est ce que je viens de faire. Puis, je vais ensuite compléter de colorier la cuisse en entier. Donc, la cuisse au complet est noire. So, this thigh here is totally black, except for these little white lines that we've drawn a little bit earlier. So, we're going to color all this in. And make sure not to color through these white lines here. Et puis, nous devons faire attention ici. Et cette pièce-là aussi. Puis, nous allons ajouter des reflets au niveau de ses genoux. J'aime faire en sorte que ses genoux aient l'air vraiment de métal. Et puis, un métal qui réfléchit un petit peu là, la lumière ambiante. Donc, c'est ce que nous allons faire au niveau de ses jambes. So, we're going to color his right leg as well. Full black. But where his knees are, we're going to add some reflections, some sort of metallic reflections to his knees. I really like to show that this Iron Man is also made of metal. And this is one of the locations where I like to make that metal, well, like we can actually see that it is metal with these little reflections here. So, sort of like steel or chrome reflections in those knees. Alors, nous ajoutons ici ces lignes dans les genoux pour donner cet effet de chrome ou de miroitage métallique. Et nous effaçons les lignes que nous n'avons plus besoin. So we need to erase the lines we no longer need. There we go, here's the other leg as well. And it's moving along fine, so we're nearly done here. I hope this drawing of Iron Man is to your liking. I hope you've been able to follow along and to draw your own Iron Man. And if you'd like to share your drawing with me, you can always send it to my Facebook page, Drawing with Paolo. It'll be a pleasure for me to share it with everyone else. So let's add a bit more shading to this faceplate here, and then we'll nearly be done. Alors, j'espère que vous avez aimé ce dessin de Iron Man aujourd'hui. J'espère que vous avez pu dessiner le vôtre. Et si vous avez un intérêt à le partager avec moi, vous allez pouvoir le partager par le biais de ma page Facebook, Drawing with Paolo. Et ça me fera un plaisir de le partager avec tous les autres gens qui nous suivent sur cette page. Autrement, c'est pas mal tout pour cette illustration de cette semaine. Et puis, merci d'avoir été, encore une fois, des nôtres sur la page de YouTube Drawing with Paolo. Puis, revenez nous voir dans quelques semaines, ou sinon la semaine prochaine, pour une autre illustration. Thanks for being there, and we'll see you next time in another episode of Drawing with Paolo.